Alors, bonjour de Belgique, Annie, bonjour du Sud, bonjour de Paris, la région parisienne, bonjour de partout, merci. On remercie le docteur Brassier de s'être rendu disponible parce que c'est vrai que cette question des traitements depuis 15 jours, elle revient beaucoup entre les arrêts, les reports, les craintes de se rendre à l'hôpital. Donc cette situation est vraiment exceptionnelle et pose beaucoup de questions à tous. Donc on espère qu'on va pouvoir apporter un maximum de réponses. Bonjour, bonjour. Vous nous avez déjà fait part un petit peu de vos questions lors de l'inscription. On en a fait, alors il y a 4-5 questions qui reviennent à peu près de manière régulière. Donc dans un premier temps, bonjour Brigitte de la Creuse. Bonjour Bruno d'Alsace. On va d'abord peut-être, enfin le docteur Brassier va répondre un petit peu à ces premières questions de manière générale. Et ensuite, on pourra prendre le temps de revenir sur vos questions plus personnelles si on n'y a pas répondu, s'il y a des informations complémentaires que vous souhaitez avoir. Voilà, il y a Delphine avec nous qui pourra aussi compléter un certain nombre de choses puisque elle a déjà répondu de manière privée à certains d'entre vous. Angela qui nous rejoindra aussi après s'il y a des choses, voilà, on pourra prendre le temps. Docteur Brassier va rester avec nous 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà, et puis ensuite on la libère, elle a beaucoup d'autres choses à préparer. Et nous, on pourra rester connectés un petit moment s'il y a des besoins. Voilà. Donc, on va peut-être commencer, pas prendre trop de retard. Et puis les retardataires pourront toujours récupérer le début en replay. Voilà. Merci, docteur Brassier, je vous laisse. Ça marche. Mais bonjour à tous. J'espère que vous allez le mieux possible dans cette période effectivement qui est compliquée pour tous et encore plus quand on a effectivement soit un enfant avec une maladie chronique, soit une personne adulte. Donc je pense bien à vous tous effectivement parce que c'est une période qui est difficile, anxiogène et qui nécessite effectivement de pouvoir communiquer au moins par ordinateur ou téléphone avec des gens puisque le contact social est limité à ça. Je vais pas trop revenir quand même sur le Covid parce que je pense que vous êtes relativement bien informés, c'était pas le sujet du jour et puis enfin pas directement le sujet du jour et puis si vous voulez des questions des réponses ou des questions plus précises. Il y a déjà des tutos qui sont très bien faits, notamment par le docteur Belmatou, que vous connaissez peut-être dans la maladie de Gaucher et qui a été enregistré, qui répond plus précisément à des questions sur le Covid. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis le docteur Brassier, je suis pédiatre et donc dans le centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme à l'hôpital Necker à Paris. Et je m'occupe en particulier des patients avec des maladies lysosomales, donc en âge pédiatrique. Pour essayer de faire un petit point sur quelques questions un petit peu générales. Donc effectivement, comme je l'ai dit, la période est particulière avec cette période de confinement qui est anxiogène pour les familles, pour les enfants, et encore plus quand on a une maladie chronique, avec éventuellement des enfants qui sont plus fragiles, et puis le changement des habitudes avec effectivement pas d'école, pas de centre, pas d'IME. Éventuellement, voilà, pas de travail ou du télétravail et du coup, éventuellement aussi pas de rééducation qui peut poser souci chez les enfants. Je reviendrai dessus. La réponse un petit peu générale, il y a eu quelques personnes qui ont demandé comment se protéger. Ça reste la protection comme pour tous, je dirais. Donc, ben, respecter le confinement qui est quand même la meilleure barrière possible, effectivement, limiter effectivement tous les contacts inutiles. Donc on reste chez soi autant que possible et bien sûr le lavage des mains très régulier. Mais il n'y a pas de choses spécifiques pour les maladies lysosomales et il n'a pas été décrit
plus, il n'a pas été décrit qu'il y ait une susceptibilité particulière dans les maladies lysosomales à avoir une atteinte par le coronavirus, qu'elle soit peu symptomatique ou très symptomatique. Donc ça, on pourra en rediscuter après, mais en tout cas, pour l'instant, on verra plus tard à la fin de l'épidémie, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de susceptibilité particulière. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les maladies métaboliques. On n'a pas l'impression qu'il y ait plus de cas, en tout cas chez les patients qui ont ce type de maladie, voilà, que ce soit lysosomale ou métabolique en général. Donc, pour rentrer plus dans le vif du sujet par rapport au traitement par enzymothérapie, ce qui est le cas pour un certain nombre de maladies lysosomales, la situation, elle va être vraiment au cas par cas pour plusieurs raisons. Déjà parce que effectivement, il y a un nombre de maladies lysosomales importantes qui sont différentes. Et même à l'intérieur d'une même maladie, comme vous le savez, il y a des formes très différentes avec des patients qui peuvent avoir des formes plus ou moins sévère, plus ou moins avancé, plus ou moins grave, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une réponse ou un consensus, même par maladie, pour dire il faut ou il ne faut pas arrêter l'enzymothérapie. D'accord ? Ça, c'est le premier point qui est important. Donc, le cas par cas va dépendre, d'une part, effectivement, du patient et de, effectivement, sa maladie, le stade et la gravité de sa maladie, son traitement habituel, et ça va dépendre aussi des conditions, je dirais, locales et régionales, et même à l'intérieur d'un même hôpital. Et normalement, vous avez en tout cas, si vous n'avez pas été contacté, vous pouvez contacter votre médecin référent, celui qui vous prescrit l'enzymothérapie, pour savoir ce qu'il en est pour vous. Est-ce qu'il est plus prudent d'arrêter l'enzymothérapie pendant cette période de confinement? Est-ce qu'il vaut mieux aller à l'hôpital ou rester en HAD ou à domicile? Ou est-ce qu'on espace l'enzymothérapie? Donc, ça va être vraiment au cas par cas. Les problématiques sont pas les mêmes chez les enfants ou chez les adultes. Elles vont pas être les mêmes non plus si, par exemple, la maladie a été diagnostiquée récemment, ou dans les formes précoces de la maladie chez un petit enfant, où en général, on va être plus embêté d'arrêter le traitement. Donc ça, c'est un petit peu le point global. Et donc, il n'y a pas de consensus national. C'est vraiment chaque médecin qui est capable de vous dire si, pour vous, en tant que patient, ou pour vous, en tant qu'enfant et parent, il semble plus raisonnable d'arrêter ou de ne pas arrêter, voire d'espacer les perfusions. Et ça, effectivement, ça dépend de tous ces paramètres dont je vous ai parlé. Et c'est important de savoir que c'est au cas par cas. Donc, le bénéfice et le risque, il est apprécié par le médecin. Le bénéfice étant, effectivement, on n'a pas envie d'arrêter le traitement pendant 6 mois. Mais en même temps, le risque, c'est quel risque on prend à venir à l'hôpital et à être potentiellement en contact avec des gens qui sont Covid positifs et avoir éventuellement des symptômes qui peuvent être mineurs, mais qui peuvent être éventuellement plus importants de la maladie. Donc, cette discussion, on l'a faite aussi entre nous, c'est-à-dire que là, ce que je vous dis, je le dis pas pour moi toute seule. Les autres médecins qui s'occupent de patients avec des maladies lysosomales, on a discuté tous ensemble la semaine dernière pour savoir ce qui était fait. Donc, comme je vous le dis, ça va vraiment dépendre des régions. Chez les adultes, c'est plus compliqué en général que chez les enfants parce que, comme vous le savez, les réanimations sont très occupées par les patients qui sont Covid et du coup, il y a des unités qui sont prises dans les spécialités adultes pour justement étendre ces unités Covid. Et donc, c'est vrai que, par exemple, chez les adultes, en tout cas, nos collègues adultes nous ont fait remonter ça. Il va y avoir effectivement moins de disponibilité de lits et éventuellement, effectivement, d'hôpitaux de jour pour accueillir les enzymothérapies et plus de risques aussi à venir à l'hôpital puisqu'on peut être en contact avec des patients qui ont le virus. Donc après, c'est effectivement une information qui est générale et je vous invite à retourner vers votre médecin référent si vous avez des questions plus précises ou pour votre cas particulier pour la gestion des enzymothérapies.
pour le problème d'approvisionnement, ça, je peux vous rassurer, c'est-à-dire que j'ai eu les différents laboratoires en fonction du type de maladie et de produit. A priori, il n'y a aucun problème de disponibilité et d'approvisionnement sur les différentes enzymothérapies. Et donc, du coup, a priori, il n'y a pas de problème de pénurie. Ça, c'est quelque chose qui semble être assez clair et assez net pour les différents produits. Pour les déplacements, c'est une autre question qui est importante et qui est effectivement compliquée. Le fait de devoir se rendre à l'hôpital si les enzymothérapies sont maintenues, le meilleur moyen de transport qu'on recommande, c'est la voiture personnelle, mais tout le monde ne l'a pas forcément, on n'a pas forcément accès, mais c'est ce qui est vraiment de loin le plus sécure. Les transports en commun sont vraiment contre-indiqué. Il reste les taxis et les ambulances, qui restent un moyen de transport peu recommandé, mais qui n'est pas forcément complètement écarté. Là, pareil, ça va dépendre du bénéfice et du risque. Mais bon, les taxis, c'est sûr, il y en a certains qui ont un masque, mais on peut quand même être en contact éventuellement avec une personne qui était avant dans le taxi ou avant dans l'ambulance et qui était positive. Donc, ça reste un moyen de transport qui présente un risque. Pour les masques, il y a eu pas mal de questions de personnes qui ont posé des questions sur les masques. Alors, vous avez vu qu'il y a une pénurie de masques déjà sur le territoire français qui est assez compliquée. On a même des gens à l'hôpital qui n'arrivaient pas à avoir de masques pour eux. On n'a pas le droit d'en prendre pour chez nous, bien entendu. Donc, je dirais, le masque, il reste pour les gens qui vont être à l'hôpital. En général, en fonction des structures, mais dans la majorité des cas, de ce que je peux vous dire à Necker, mais dans d'autres hôpitaux aussi, c'est quand il y a une enzymothérapie sur place, en général, elle se fait déjà en chambre seule. La personne qui reçoit l'enfant ou l'adulte avec un seul accompagnant est en mesure de prendre déjà un recueil pour être sûr qu'à l'interrogatoire, il n'y a pas de symptômes de COVID. Il y a une prise de température et des constantes. Et à ce moment-là, effectivement, avant de se rendre dans la chambre, en général, il y a un masque qui est mis. Dans tous les cas, le personnel soignant, que ce soit infirmière, aide-soignante ou médecin, nous avons tous un masque. Et c'est ce qui, effectivement, protège les personnes qui viennent se rendre à l'hôpital de jour. En général, auront lieu les enzymothérapies. Sachant qu'effectivement, il y a d'autres patients fragiles qui peuvent être là aussi pour d'autres types de perfusions qui sont aussi à risque. Donc là, les mesures en général sont bien prises à l'hôpital. Après, il n'y a pas de masque à mettre chez soi actuellement pour l'instant, ni pour sortir, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà pour les masques. Pour la question de l'enzymothérapie à domicile, effectivement, c'est une bonne question. La plupart des patients qui ont une enzymothérapie à domicile ont été maintenus. C'est sûr que c'est quand même moins à risque qu'à l'hôpital parce qu'il y a moins d'intervenants. En général, une infirmière, parfois une deuxième personne, mais en général, c'est quand même une infirmière. Celle-ci, pareil, doit prendre ses précautions, donc avoir un masque, bien se laver les mains et respecter les gestes barrières. Donc, c'est quand même plus sécurisant que d'aller à l'hôpital. Le risque n'est pas non plus nul. Et il y a effectivement, éventuellement, mais ça, c'est à voir très localement, des possibilités d'instaurer de façon un peu exceptionnelle ce type de prise en charge à domicile, là, dans le contexte de confinement. Mais ça va dépendre de la disponibilité d'éventuelles infirmières. Et pour certains produits qui ne sont pas ce qu'on appelle en rétrocession, ça nécessite de passer par une HAD, une hospitalisation à domicile. Et là, c'est pareil, ça va dépendre de leur capacité à prendre des nouveaux patients. Donc, ça reste une question à poser si cette possibilité, cette solution vous semble la mieux pour vous ou pour votre enfant. Ça peut éventuellement être mis en place, mais ça va être pareil au cas par cas. Pour les risques liés à l'arrêt de l'enzymothérapie, qui est aussi une question qui revient de façon fréquente, ces risques sont difficiles à prévoir sur un long terme.
C'est sûr que le confinement, au début, avait une durée qui était annoncée quand même plutôt courte, c'est-à-dire que on nous avait parlé d'un mois, et puis effectivement, on a l'impression que cette période de confinement va durer. Donc peut-être que ce que je vous dis maintenant sera à revoir si on voit que le confinement dure plus longtemps. Pareil, l'enzymothérapie, l'arrêt ou la suspension va dépendre beaucoup du type de pathologie, du stade de la maladie et de la sévérité de la maladie. Ça va pas être pareil si c'est un patient qui vient de commencer l'enzymothérapie, si c'est un patient qui est petit. Effectivement, ce sont quand même des maladies qui, la plupart du temps, sont des maladies qui sont chroniques avec une évolution qui est lente. Et donc, on s'attend pas à ce qu'au bout d'un mois ou de deux mois, il y ait des conséquences cliniques gravissimes, sauf exception, bien sûr. Donc, par exemple, la maladie de Wolman, si jamais il y a des gens qui sont connectés, ne peuvent pas se passer d'enzymothérapie pendant plus qu'une semaine ou 15 jours. Les maladies de pompe de forme infantile précoce ne vont pas pouvoir attendre non plus 15 jours ou un mois pour avoir leur traitement quand ils sont tout petits. Mais pour les autres formes, effectivement, l'interruption de traitement pendant une certaine durée, qui soit de 2 ou 3 mois, ne paraît pas avoir de risque clinique embêtant. Après, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'études sur les doses. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions posées sur le fait est-ce qu'on peut peut-être espacer plus l'enzymothérapie toutes les 2 semaines ou 3 semaines et doubler la dose. Il n'a pas été montré que, en fait, les comparaisons ne se sont pas faites entre la dose standard chaque semaine et la dose standard toutes les 2 semaines. Ça a été comparé la dose standard toutes les semaines, avec la dose multipliée par 2 toutes les 2 semaines. Et en tout cas, pour certaines maladies, comme la MPS1, il a été montré que c'était à peu près comparable, même si le gold standard, ça veut dire la référence, c'était de faire la dose standard 1 fois par semaine. Le fait de donner beaucoup plus d'enzymes, si on savait que ça marchait, on aurait espacé toutes les enzymothérapies en mettant une plus grosse dose. Après, le fait d'en mettre beaucoup, il peut y avoir un problème de saturation. Et finalement, si ça ne va pas jusqu'au lysosome, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer même, par exemple, mettre quadruple dose et avoir l'enzymothérapie tous les mois. Si ça marchait, ça se serait déjà fait avant. D'accord ? Donc, la question de la dose reste pareille à revoir avec votre médecin référent. Mais il n'y a pas de preuve actuelle dans la littérature que le fait de doubler la dose en espaçant soit équivalent ou mieux à le faire 1 fois par semaine. Il y a des cas rapportés, par exemple, chez des femmes enceintes qui ont arrêté leur traitement enzymatique pendant la grossesse pour les femmes MPS1, qui ont pu avoir éventuellement des douleurs articulaires qui reviennent, etc. C'est vrai que ce sont des signes plutôt qui sont réversibles. Ça veut dire qu'on pense qu'après la reprise de l'enzymothérapie, on pourra effectivement de nouveau ne plus avoir de douleur et donc que ce soit des signes qui soient réversibles. Après, sur le problème des rééducations, qui peuvent être en tout cas importantes chez l'enfant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément de solutions, en tout cas là sur le court terme. Il y a éventuellement des orthophonistes, surtout en libéral, qui peuvent encore faire des téléconsultations. Alors c'est moins bien que la consultation de visu, mais malheureusement pour l'instant on n'a pas d'autres moyens. Et il y a aussi un petit guide et un document qui est en cours de rédaction sur des techniques d'auto-rééducation pour les parents à destinée de leur enfant. Et dès que ce petit guide sera terminé, on espère rapidement, eh ben on vous le fera passer par VML et aussi par la filière maladie métabolique G2M pour éventuellement des petites séances de kiné, etc., que parfois les parents savent déjà un petit peu faire parce qu'ils sont au fait de ce qu'il faut faire sur les séances. La dernière petite question, alors qui était revenue 2 ou 3 fois, c'était sur les essais cliniques. Alors c'est vrai que c'est pas la préoccupation actuelle, on va dire, sur la recherche et sur les essais cliniques. Par contre, tous les patients qui sont actuellement en essais cliniques, il y en a,
Niemann-Pick-Bay, par exemple, au lipidase. Dans la maladie de Pompe, il y a le NéoGA. Tous ces essais cliniques, thérapeutiques qui sont en cours continu. Et donc, c'est vrai que ce sont des patients qui, pour le coup, doivent se rendre à l'hôpital et on fait très attention à eux. Et par contre, pour les nouveaux essais cliniques, pour l'instant, ils sont en attente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture de nouvel essai clinique actuellement. Ça sera revu après la fin du confinement. Voilà, j'ai essayé de répondre un peu de façon globale et c'était tout pour l'instant ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. On t'entend pas, François. Ouais, on t'entend pas. On n'entend pas. Oui, voilà. Ouais. Si je mets le son, c'est beaucoup mieux. Donc merci docteur pour ces premières informations qui sont en effet celles qui revenaient le plus dans les questions. Après, on a eu quelques commentaires et retours là en même temps que vous interveniez. Marie-Antoinette qui nous dit que elle, de son côté, pour les prises en charge kiné et autres, elle a réussi à voir avec la Croix-Rouge de sa région. Elle dit voilà, donc une info qui peut servir. Alors c'est peut-être du cas par cas, hein, puisque c'est certainement selon l'organisation de la région et puis même localement, hein, dans une même région. Donc en tout cas, voir peut-être avec la Croix-Rouge ce qu'il est possible de faire. Sur les orthophonistes, on avait partagé l'information, en effet, sur cette possibilité qui a été mise en place. Alors après, peut-être que ça dépend aussi des orthophonistes. On a eu en effet des questions sur les HAD. Anaïs, peut-être essayer d'expliquer un peu plus que l'HAD, c'est vraiment l'hôpital, donc c'est des services hospitaliers qui se déplacent. Et ça, c'est pour un certain nombre de produits qui, comme tu l'as indiqué, ont eu un accord de pouvoir être utilisés, mais uniquement en milieu hospitalier. Et puis, le domicile possible par des prestataires privés, des infirmières libérales. Mmh. Et là, il faut que le médicament, il ait un autre statut que tu as expliqué, qui était la rétrocession. Et que du coup, le libéral ne peut pas forcément faire du domicile pour les médicaments qui n'ont pas ce statut de rétrocession. En tout cas, normalement, là, dans ce contexte-là, savoir est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui se met en place, c'est un peu plus compliqué, mais je pense pas. Non, je crois pas. J'avais demandé au laboratoire. Donc, effectivement, en fonction de, là, il faut voir en fonction du type de maladie et donc revenir vers votre médecin pour savoir ce qui est possible, parce qu'effectivement, par exemple, dans la maladie de Gaucher, vous pouvez avoir le médicament en rétrocession, ça veut dire en pharmacie non hospitalière, et du coup, avec une infirmière libérale éventuellement formée, avoir vos enzymothérapies à domicile. Pour d'autres maladies, par exemple la MPS2, c'est un médicament qui est en cours d'avoir la rétrocession, mais pour l'instant qui n'est pas délivré en pharmacie non hospitalière, et donc du coup ça nécessite ce qu'on appelle une HAD, ça veut dire une hospitalisation à domicile. Donc c'est l'hôpital qui demande, et effectivement ce sont du coup après une infirmière et un prestataire de service qui viennent avec la pompe, etc. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est que l'HAD du coup elle est plus sollicitée là dans cette période de confinement, et donc pour instaurer des nouveaux traitements, c'est pas impossible, mais ça peut être un peu compliqué. Donc là, il faut voir localement, puisque les HAD, elles dépendent des régions et localement, éventuellement, de l'hôpital dont vous dépendez. Donc, c'est vraiment là, du coup, un petit peu au cas par cas. Une question sur laquelle on n'a pas répondu, qui était en cas d'arrêt, comment va être faite la reprise? C'est vrai que je l'avais marqué, mais je l'ai pas dit.
Alors, du coup, au moment de la reprise, donc c'est vrai que ça va être pareil, assez dépendant des perfusions qui ont eu lieu avant, c'est-à-dire que il y a des patients pour lesquels il n'y a jamais eu aucun souci, c'est-à-dire aucune réaction aux perfusions, où il n'y a jamais eu aucun problème, donc on va être un peu plus serein et un peu plus confiant. J'ai interrogé mes collègues, c'est vrai qu'on, de façon globale, on pense qu'on va être quand même un peu plus prudent, donc il y aura certainement des patients à qui on va éventuellement remettre une prémédication, ça veut dire souvent qu'on va donner un médicament avant la perfusion anti-allergique, anti-histaminique, et éventuellement pour les patients où il y a déjà eu des réactions aux perfusions, ou alors on sait qu'ils ont des anticorps et qu'ils sont peut-être un peu plus à risque que les autres de faire éventuellement des réactions à la reprise des perfusions, bah pour cela, on modifiera le protocole. Et donc, en plus de donner un traitement antihistaminique, voire corticoïde, eh ben, on va rallonger le temps de perfusion. Donc, il est possible qu'une bonne partie des patients aient leur protocole qui soit modifié. Et ça, c'est pareil, ça sera au cas par cas, à revoir avec votre médecin référent. Mais il est possible qu'il y ait plus de paliers et qu'à la reprise soit plus lente pour éviter effectivement les réactions aux perfusions. Sachant que on peut ne rien faire du tout, même quand l'arrêt est de plusieurs mois. On sait qu'on a des patients, nous, parfois, qui partent un mois, voire deux mois pendant l'été sans avoir de perfusion, et au retour, ça se passe bien. Donc, bon, voilà, ça sera plus de la prudence, et effectivement, on sera d'autant plus prudent pour un patient qui a quand même, avant dans sa vie, fait des réactions aux perfusions. Alors, on a à nouveau une question qui est revenue sur l'HAD pour savoir si elle est possible avec l'Aldurazim ou est-ce que c'est fonction de l'hôpital ou du produit. Donc, en fait, c'est le domicile. Et l'HAD est-elle possible ou pas? Eh ben, oui, normalement, c'est possible. Après, l'Aldurazim, je ne voudrais pas dire de bêtises. Pour moi, c'est en rétrocession. On peut le faire à domicile? Non. Non, en fait, tu n'as pas de MPS en rétrocession, tu n'as aucun produit MPS en rétrocession. Oui. Jessica dit que oui, pour l'Aldurazim, ça fait. Alors, il peut y avoir de l'HAD, mais pas l'infirmière libérale, normalement. Et là encore, l'HAD, ben, en fait, ça va dépendre de comment c'est structuré en région. Et si l'HAD accepte parce que ils peuvent avoir du temps dédié pour initier de nouveaux patients ou pas. Donc là, c'est très, très localement dépendant en fonction de l'organisation de chaque HAD, en fait. Alors, il y a Jessica qui dit que pour Mathéo, c'est délivré par la pharmacie de l'hôpital. Oui, c'est ça. Et que voilà, elle peut en bénéficier. Et maladie toujours. Et demande, c'est pareil, ça peut être HAD. Ouais. Oui. On a Betty Sam aussi qui nous dit qu'elle, en fait, pour le moment, elle a un refus de l'hôpital. Est-ce qu'elle peut demander à un autre centre de référence Un refus de quoi Pardon Un refus, un refus de un refus de d'HAD de la part de l'hôpital. Alors, il faut se méfier. Ça peut vouloir dire que l'HAD est déjà débordé et du coup ne peut pas prendre de nouveaux patients. Et ça, il peut pas dépendre du coup d'une autre région. Donc, ça veut dire que l'HAD n'est pas en capacité sûrement de prendre un patient de plus. Ou alors après, est-ce que c'est le médecin référent qui ne veut pas? Peut-être qu'il a considéré que il valait mieux suspendre pour le moment le traitement, ça je ne peux pas répondre. Oui, là, elle nous dit que c'est le médecin, que la HAD était d'accord, mais que c'est le médecin. Là, il bêtise ça. Le problème de la HAD quand même, c'est qu'effectivement, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont venir à la maison. Donc, on revient au problème quand même de la contamination, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une infirmière en libéral, il va y avoir un prestataire de service qui va venir à la maison pour la pompe, pour le matériel, etc. Il va y avoir l'infirmière libérale et éventuellement quelqu'un qui va venir former pour le produit, etc. Donc, ça fait quand même au moins 3 intervenants. Donc, c'est peut-être au niveau bénéfice-risque que le médecin a estimé que c'était peut-être pas la priorité, que c'était peut-être plus risqué pour le patient, effectivement, une HAD que la suspension de l'enzymothérapie.
Il peut y avoir aussi des situations où déjà en milieu hospitalier, les perfusions sont un peu compliquées, se passent pas très bien. Et il faut savoir que s'il y a une autorisation d'HAD, c'est quand même le médecin qui reste responsable de tout ce qui peut se passer à domicile. Donc voilà, s'il n'est pas très confiant sur un risque potentiel de réaction à domicile et du coup éloigné de structures de réanimation ou voilà d'intervention hospitalière, le médecin peut très bien voilà pas être très confiant de pouvoir autoriser cette mise en place de la perfusion à domicile. Ibetissam réagit beaucoup parce que du coup elle nous dit que c'est le médecin qui veut pas que donc l'enfant, on va pas citer le prénom, mais ne souhaite pas, enfin n'a pas de réaction particulière, voilà, enfin elle, pour elle il y a vraiment un refus hospitalier. Donc là de toute façon il n'y a pas de réponse qu'on peut apporter tout de suite comme ça sur ce web. Se retourner vers son médecin référent. On peut se recontacter Ibetissam là-dessus, parce que c'est vrai que là le docteur Brassier pourra pas vous dire, enfin on peut pas demander ailleurs parce que de toute façon c'est quand même une mise en place locale, mais on peut voir un petit peu. Il y a Andrea qui nous demande, alors lui qui est plus dans le sud, vers Marseille, peut-être peut-on être mis en relation avec des infirmiers qui font déjà des HAD pour les maladies lysosomales dans nos régions. Alors c'est pas un contact qui peut être pris directement par les patients ou par les familles. C'est vrai, HAD ça veut vraiment dire hospitalisation à domicile, donc c'est un système hospitalier et donc c'est l'hôpital et donc le médecin référent qui doit contacter l'HAD, et après l'HAD, en fonction de ses possibilités, va contacter la famille. Mais ça ne peut pas se faire directement de l'HAD à la famille. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question. Si, je pense que c'est... Pas joindre directement l'infirmière de l'HAD pour lui demander, une famille, est-ce que vous voulez bien venir faire les perfusions ? Parce qu'effectivement, comme dit, déjà, il y a des critères pour savoir si on peut faire ces perfusions à domicile. Pareil, on ne peut pas le faire. Normalement, il y a au moins un an de traitement à l'hôpital avant de passer en HAD. Et effectivement, il faut que le médecin référent puisse quand même discuter avec le médecin de la HAD et l'infirmière pour donner effectivement le protocole, les conditions. Enfin, ça reste du cas par cas. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se passe entre le médecin référent et le médecin de la HAD. Et après, la famille est contactée. Oui, il nous confirme qu'en fait c'est un petit peu c'est le même cas qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a un refus pour le moment du médecin référent. Après, il faut se retourner vers son médecin référent. Soit c'est une saturation de l'HAD qui a peut-être d'autres préoccupations et qui ne peut pas mettre en place un nouveau traitement, c'est possible. Soit c'est pour le risque, effectivement, le fait qu'avec l'HAD, on rompt quand même le confinement. Et donc, du coup, c'est peut-être moins risqué que l'hôpital, mais ça reste quand même un contact avec des personnes extérieures. Tout à fait. On va finir. Andrea avait une deuxième question. On y a un petit peu répondu. C'est avec l'arrêt du traitement, y a-t-il un risque de réaction du corps qui refuserait le traitement après ? Donc, c'était justement sur la reprise. Alors là, c'est plus une question sur, je pense, l'efficacité du traitement plutôt que les réactions aux perfusions. Donc, c'est une bonne question. C'est difficile aussi d'y répondre de façon tranchée parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience en fonction des maladies sur des arrêts qui pourraient être un petit peu plus prolongés et pas forcément beaucoup de choses non plus dans la littérature. Ce qu'on sait, c'est quand même que en général, c'est des maladies plutôt lentement progressive, en tout cas pour une partie des patients, et que sur un arrêt relativement court, on ne pense pas que le corps après ne va plus répondre au traitement. Après, se pose la question pour des patients où éventuellement la réponse au traitement était déjà peut-être pas faible ou avait diminué. Et là, c'est vrai que cette période-là d'arrêt ou de suspension va peut-être reposer la question de l'efficacité de façon générale du traitement sur un patient donné. Ça se dire, ben oui, est-ce que effectivement
déjà, il n'y avait pas beaucoup d'efficacité ou peu. Et c'est des choses qui sont remesurables et réévaluables avec, voilà, par exemple, un test de la marche, des tests respiratoires, etc. Et on n'imagine pas qu'un arrêt transitoire puisse faire que le patient ne réponde plus au traitement, mais peut-être que déjà la réponse était modérée ou faible. Et donc là, ça sera pareil à revoir avec le médecin référent. Si à la reprise, on a l'impression que l'efficacité du traitement est proche de zéro, et ben peut-être que c'est le moment de se dire que effectivement, est-ce qu'il faut arrêter le traitement. Mais ça va être vraiment du cas par cas. Après, on n'a pas de raison de penser chez un patient pour lequel il y avait une efficacité du traitement qu'il n'y ait plus d'efficacité. Vous entendez ? Ok, merci. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle des dépistages systématiques. Oui. Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, c'est trop compliqué de faire un dépistage un petit peu plus important. Parce que effectivement, là, bon, on parle des maladies lysosomales, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de maladies chroniques et de gens qui, à juste raison, aimeraient être dépistés. Ce qu'on espère surtout, c'est peut-être dans un avenir proche, plutôt pouvoir faire des sérologies. Ça veut dire mesurer les anticorps assez facilement pour savoir si du coup on a été en contact avec le virus et si du coup on est entre guillemets immunisé. Ça veut dire qu'on peut de nouveau effectivement circuler plus librement et être dans ce cas pas à risque d'attraper le Covid. Donc ça, c'est des tests qui sont en cours d'être faits en France aussi. Et donc j'espère que ça va pouvoir être un peu plus généralisé et peut-être que c'est ce qui permettra aussi du coup d'arrêter le confinement. Alors, une question, oui, qui était là, sur, par exemple, avec le confinement, devons-nous reprendre des aérosols par précaution ? D'une manière un peu générale, il y a eu effectivement des enfants qui avaient un certain traitement qui est, ont été pour des raisons X ou Y arrêtées et la question elle est de savoir est-ce qu'on reprend des traitements qui ont été arrêtés finalement par précaution. Ouais. Alors ce qu'on sait bien maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le Covid, mais ce qu'on sait bien maintenant c'est que les anti-inflammatoires, donc tous les types d'anti-inflammatoires par voie générale, donc ça veut dire par la bouche, sont peu recommandés parce que peuvent favoriser des formes graves de Covid. Tous les restes des médicaments antalgiques et dans les maladies lysosomales n'ont a priori pas d'effet négatif et peuvent être continués, en particulier les aérosols. On sait par exemple que pour les patients asthmatiques, il est recommandé de les poursuivre. Donc si c'est par exemple des aérosols, je sais pas, de Ventoline ou de corticoïdes, de Pulmicort, etc., c'est tout à fait des traitements qui peuvent être repris. Alors après, ça dépend des raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. Est-ce que c'était un arrêt transitoire? Il y a des patients parfois pour lesquels on arrête les aérosols, par exemple au printemps ou à l'été, parce que c'est des enfants qui ont moins d'encombrement et sont moins gênés. Donc, faut voir si ça a été arrêté, pour quelles raisons ça a été arrêté. Mais sinon, c'est pas des médicaments qui sont contre-indiqués. Alpha 300. On continue. Madame Bernard. C'est vrai que bon, l'Advil est un anti-inflammatoire. Après, il est bien isolé. Ouais, je sais que c'est vous. Mais bon, je ne dois pas dire de nom. Donc, si vous continuez le traitement habituel, ouais, parce que c'est mieux pour les douleurs. Après, vous êtes bien tous confinés à la maison, il n'y a personne qui va à l'extérieur. Vous ne travaillez plus? Je ne peux pas dire le nom. Hein. Ouais. Non, on va éviter. Ouais, d'accord, vous êtes en arrêt. Donc, ok. Effectivement, le risque, c'est que, comme vous le savez, il y a des formes
peut même beaucoup de formes peu symptomatiques, donc avec peu de signes ou des formes même asymptomatiques. Ça veut dire qu'on peut avoir le Covid et pas être malade et quand même le transmettre. C'est pour ça qu'il y a le confinement. Et donc, du coup, le risque, c'est quand même éventuellement que les adultes le transmettent aux enfants ou vice-versa. Ça peut être dans les deux cas. Donc là, si c'est l'enfant qui est malade, c'est plus du coup, on se dit mince, il ne faut pas que les parents l'attrapent et le donnent. Donc, si vous respectez bien les mesures de confinement, on espère qu'effectivement, le risque est beaucoup diminué que vous l'attrapiez. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer le même traitement de fond que d'habitude. Après, ça va être plus sur l'instauration d'un nouveau traitement où on va éviter les anti-inflammatoires. Après, c'est pareil, c'est le bénéfice et le risque. On n'a pas envie que votre enfant, il ait mal. Donc, si c'est un traitement qui marche bien et que vous êtes bien isolé, on continue pareil. J'essaye de revoir. J'ai pas Est-ce qu'il y a eu d'autres types de questions? Alors, avec le prolongement, je crois que tout au début, il y avait eu une question plutôt, ça fait un mois. J'ai l'impression que c'était maladie de Pompe plutôt, dans ce que je comprenais, plutôt juvénile, adulte. Ça fait plus d'un mois et à nouveau, j'ai quand même beaucoup de douleurs, beaucoup d'éléments qui reviennent. Donc, la question est de revoir avec votre médecin référent. Ouais. S'il y a des symptômes qui vous apparaissent comme revenants, c'est important effectivement quand même de faire un point avec votre médecin référent pour voir si ça peut être des signes liés à l'arrêt de l'enzymothérapie et si il faut éventuellement envisager de le reprendre. Alors, à nouveau, la question rupture, on a été rassurant tout à l'heure de la part de tous les laboratoires pharmaceutiques qu'on a eu en questionnement, il n'y a pas de souci aujourd'hui qui nous a été signalé de risque de rupture d'approvisionnement de ces traitements-là. C'est ça. Et là, vraiment, ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air d'être clair. Après, on pourra revoir si ça persistait le confinement, mais vraiment, les différents laboratoires avaient l'air d'être sereins par rapport à ça. Il n'y avait pas l'air d'avoir de souci du tout de problème de rupture. Oui, quelqu'un qui nous redemandait si les recherches pour les maladies lysosomales étaient stoppées actuellement. A priori, non, ce n'est pas forcément les mêmes équipes. Exactement. Il y a ce que je vous disais, les essais thérapeutiques, donc sur le terrain avec des lits d'hospitalisation, ça, les nouveaux essais thérapeutiques sont arrêtés, mais ceux qui sont en cours se poursuivent. Après, tout ce qui est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, qui est dans des laboratoires et avant que ce soit en clinique, donc chez l'homme, ça, c'est des choses qui continuent, bien sûr. Non, on ne connaît pas la durée du confinement. J'aimerais bien aussi. On aimerait tous, je crois. Ouais. Non, on n'a pas d'infos plus que vous. Ouais. Alors, en cas d'urgence, autre que Covid. Ouais. Alors, c'est une bonne question parce que effectivement, ça va dépendre aussi assez localement. Vous avez tout à fait raison. En cas d'urgence, c'est que effectivement, vous avez besoin éventuellement de voir un médecin ou de vous rendre aux urgences. Le mieux vous puissiez faire, c'est quand même. Alors, moi, je dis en journée, c'est quand même essayer d'appeler l'équipe qui s'occupe de vous, donc soit votre médecin référent, soit son équipe, ou en tout cas là où vous avez les numéros de téléphone, on va dire en temps actuel. Et là, en fonction effectivement de votre région et même localement, on va vous conseiller soit votre médecin traitant éventuellement, soit SOS médecin, soit de vous rendre aux urgences. Mais c'est vrai qu'on va limiter la venue aux urgences pour éviter la propagation du virus. Et en général, nous, on va directement appeler les urgences pour savoir, par exemple, à Necker, où est-ce que vous devez vous rendre. C'est vrai que pour des patients qui vont avoir des signes de Covid, ils vont éventuellement aller directement dans les unités qui sont dédiées pour justement ne pas contaminer le reste de l'hôpital. Donc, le mieux, c'est quand même, en tout cas en journée, de passer par votre équipe référente pour qu'on vous dise où aller. Si c'est la nuit ou si c'est le week-end et que c'est plus compliqué de joindre votre équipe référente, je dirais c'est votre appréciation.
si ça vous paraît une urgence parce que votre enfant ou vous-même vous allez vraiment pas bien, bah c'est le SAMU. Mais ça, c'est si c'est urgent. Si c'est pas urgent, bah vous essayez de remettre au lendemain matin justement pour pouvoir interroger votre équipe sur quoi faire. Alors, un petit message pour Anaïs, un peu personnel, de remerciement. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Un peu le tour, ouais. Ah. Ouais. Alors oui, il y a une fiche SAMU hein, qu'on a fait circuler effectivement aussi. J'ai l'impression que là, on a fait à peu près le tour. J'ai pas le sentiment qu'il y ait plus de questions. Où trouve-t-on cette fiche SAMU? Alors, je pense qu'on ne parlait pas de la même chose, mais peut-être tu redirais un mot. Là, c'était un cas particulier sur un petit patient que je suis et donc du coup, qui a un petit peu un protocole particulier en fonction de s'il lui arrive quelque chose et qu'on appelle ça, nous, un peu communément la fiche SAMU, mais qui est très individualisée. Voilà, où on dit un peu ses médicaments, qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais du coup, qui est voilà, particulière à ce patient-là. Après, toi, Delphine, tu parlais d'autre chose, du coup, je pense. Il y avait une petite fiche qui a circulé la semaine dernière, donc on a mis sur notre site, justement, une petite fiche à remplir, qu'on ait sur soi pour, en cas d'urgence, que les gens, enfin, voilà, que les urgences sachent un petit peu, voilà, ou les questions par rapport à la pathologie. Alors, la question, l'enfant attrape le Covid, faut-il arrêter les perfusions? La question est un peu, je vais pas trancher, c'est-à-dire que, pareil, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre, du type de pathologie, de savoir si on peut arrêter les perfusions ou non, et effectivement, du coup, de la maladie, de l'âge, de la sévérité. On n'est pas obligé d'arrêter les enzymothérapies, mais par contre, effectivement, il faut, si on a les signes et si on a été détecté positif, bien sûr, le dire à l'hôpital dans lequel on est traité pour que le personnel soignant prenne en charge le patient comme quelqu'un qui est positif, donc avec l'habillement complet, le masque, etc., les lunettes, enfin, du coup, pour que ce soit du coup les autres qui soient protégés. Après, ça va dépendre des signes du Covid. Donc, ça va aller d'un patient qui éventuellement a juste une petite toux, mais pas de température, à celui qui est fatigué, à celui qui va avoir beaucoup de signes. C'est sûr que si c'est 40 avec de la toux, on va pas faire de perfusion. Donc, je dirais, c'est vraiment pareil, un peu du cas par cas. Et donc, il faut pareil se référer à son médecin pour savoir si on continue ou si on arrête transitoirement à cause du Covid. Alors, deux questions là qui ressortent aussi. Est-ce que l'enzymothérapie protège du Covid? Non, je pense pas. Non, c'est pas, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison comme ça. Par contre, je sais qu'en ayant discuté avec Marie Vanier sur l'inconnu de ces maladies et donc quand même d'une... peut-être de certaines cellules qui sont pas tout à fait pareilles que d'autres. On parlait notamment de ce qui s'était passé à l'époque de la recherche avec Ebola et le Niemann-Pick-C, où on s'est rendu compte que la maladie Niemann-Pick-C faisait intervenir des systèmes protégés d'Ebola. En tout cas, on a pu faire des liens entre l'un et l'autre. On ne sait pas, mais voilà. Il y a des choses qui peuvent effectivement émerger à l'issue avec des systèmes de mécanismes de des cellules qui sont inconnus là par rapport à la maladie. Et puis, une personne aussi qui demande savoir, en disant que c'est elle qui a pris la décision d'arrêter les enzymothérapies. Alors que je pense que localement, en tout cas, le médecin ne l'avait pas forcément préconisé, mais au regard de ce qui avait été indiqué dans la fratrie, géographiquement ailleurs et avec un arrêt, l'arrêt d'arrêter.
Bon. Alors après, c'est pas forcément. Ça peut venir des patients aussi et de leur crainte de venir à l'hôpital. C'est sûr que, pareil, en fonction localement, bon, du nombre de patients qu'on suit. Bah, bon, par exemple, moi, j'en suis beaucoup et pas que des maladies lysosomales. J'ai pas appelé les patients un par un. Je suis pas en mesure de le faire. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des patients qui nous contactent directement par mail ou par téléphone en nous disant, et ça peut être au début même du confinement, en nous disant, bah voilà, moi, je crains de venir à l'hôpital à cause de telle et telle et telle raison. Et effectivement, en général, ça va être une réponse qui va être adaptée à la famille. Et moi, si je pense que le risque, effectivement, est en tout cas proportionnel ou supérieur au bénéfice, et ben en général, je vais être d'accord avec le patient. Mais effectivement, ça peut arriver que ce soit le patient qui nous sollicite parce qu'on est un peu débordé parfois. Ça peut. C'est pour défendre mon collègue, je ne sais pas qui c'était, mais voilà. Bon, c'est pour ça qu'on essaye de faire aussi des webconférences ou des tutos pour que les patients soient informés. Après, localement, on n'a pas forcément la possibilité d'appeler chaque patient pour différentes raisons, mais du coup, c'est bien que vous nous sollicitiez. Et les arrêts un peu prolongés que tu as cités pour des gens qui partaient l'été sur un mois ou sur deux mois, la question était de savoir est-ce que c'est pour une pathologie en particulier ou pour tout le monde ? Alors, c'est de nouveau, pas pour tout le monde. Il y a quand même, il peut y avoir des maladies où c'est un peu, chez des petits, comme j'ai dit, il n'y a pas d'arrêt quand même pendant un ou deux mois. Après, pour des patients qui sont traités depuis plusieurs années, et effectivement, par exemple, pour des patients gauchers ou pour des patients MPS, oui, l'arrêt de un ou deux mois a pu déjà être fait sans conséquence derrière. Et je vous dis, il y a même des patients avec des formes modérées qu'on dit shy, des patientes enceintes qui ont arrêté pendant plusieurs mois de grossesse le traitement. Après, ça reste du cas par cas. Ça dépend de la gravité de la maladie, depuis combien de temps on a l'enzymothérapie, etc., etc. Mais on peut dépasser 10 jours entre deux perfusions, parce que je pense que c'est ça la question. Oui. Il y a quand même plein d'enfants, en tout cas, qui sautent des perfusions parce que, par exemple, ils ont 42 fièvres. Donc, il ne se passe rien si on saute une perfusion, ça, clairement. Juste, il y a Karine qui demande possibilité de continuer une perf ou pas, et notamment si le médecin refusait de renouveler l'arrêt de travail par rapport au confinement. Alors, il y a de nouvelles directives qui disent que quand on s'occupe d'une personne vulnérable, on va pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail tout le temps du confinement. On l'a posté sur le site internet VML juste avant le début de la webconférence. Je vous invite à aller le récupérer. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Tant que le confinement va durer, il y aura cette possibilité. Et nous, on fait fréquemment des certificats éventuellement pour les parents, s'il y en a un qui doit continuer à travailler, justement pour qu'il reste à domicile, pour éviter effectivement qu'il soit contaminé et du coup qu'il contamine l'entourage et le patient. Donc ça, nous, on le fait. Et ça a l'air de marcher. Alors, on a dans le même type de question, on a quelqu'un qui nous pose, qui est elle-même personnel soignant, et du coup qui se retrouve un petit peu elle rentre pas forcément dans les mêmes cases et elle se demandait si cette disposition allait fonctionner ou pas elle est personnel soignant et elle-même est malade, j'ai pas compris là. Non, son fils est malade et du coup elle a peur, enfin elle veut pas prendre de risque. Normalement on peut lui faire, je pense, un arrêt Pour le moment elle a fait un arrêt maladie classique, mais elle aimerait rentrer dans quelque chose de plus officiel Si elle contacte son médecin référent, il faut qu'elle voit avec elle, mais normalement elle a le droit d'être en... Alors, je ne sais pas si ça sera un arrêt prolongé, mais on peut. Alors, le système immunitaire sans enzymothérapie, plus faible, pas plus faible ?
A priori, il n'y a pas de lien avec l'immunité. Oui, c'est aussi un peu ce que j'avais comme... Et puis, il y avait la question pour les formes sévères. Bah, oui, donc du coup, pour les MPS1, ouais, effectivement, ça va être assez différent en fonction du degré de sévérité. Et là, peut-être que d'arrêter 2 mois ou 3 mois, ça peut avoir des conséquences cliniques peut-être plus visibles. Et c'est là qu'il faut se demander, effectivement, s'il ne faut pas quand même à un moment continuer, reprendre les perfusions. Alors, il est 14h30, docteur Brassier, on va peut-être vous... Si vous voulez, sinon je vais y aller, mais... Vous libérez. Ben, merci à tous, bon courage. Et puis, j'espère que ça sera bientôt derrière nous, tout ça. On a peut-être là une dernière question. Ouais. Là, donc, c'est une maman qui a été testée positive au Covid il y a 15 jours, qui va mieux aujourd'hui et qui demande si elle pense qu'elle peut être encore contagieuse après 15 jours. Ou... Alors, ça dépend un peu des signes cliniques, mais quand même, les infectiologues sont assez prudents sur la durée de contagiosité. C'est vrai qu'on avait dit plutôt 15 jours après le début des symptômes. En moyenne, ils se couvrent quand même beaucoup. Ils disent plutôt que c'est 21 jours, voire un mois après le début des symptômes, ce qui est long. Après, c'est sûr que si on tousse pas, qu'on a peu de signes, c'est moins contagieux, mais ça a quand même été montré que le virus, par exemple, il reste plus longtemps dans les selles ou dans la salive qu'au niveau, par exemple, du nez. Donc, on ne peut pas dire que la contagion, elle soit 0 à 15 jours. Après, c'est par rapport à votre travail ou à votre enfant ? Par rapport à l'enfant, je pense. Je pense que c'est la raison. Parce qu'elle a dû s'isoler quand même, je pense, pas mal par rapport à son enfant, mais du coup… Je pense que la contagiosité est moins importante, mais on ne peut pas dire qu'elle est nulle, jusqu'à un mois après le début des symptômes. Et alors, il y a… Peut-être qu'il y a autrement après, quand on saura plus, mais… Il y a aussi, du coup, une question sur les changements du comportement. Est-ce que, du coup, c'est un signe pour reprendre l'enzymothérapie? Je pense que là, les changements de comportement, est-ce que ça peut être un signe pour indiquer qu'il faut reprendre une enzymothérapie? Je pense que là, c'est aussi le confinement qui fait qu'on n'est plus du tout dans des habitudes dans des habitudes de rythme de vie classique et que du coup ça joue aussi forcément sur le comportement des enfants. Ouais, ça effectivement, ouais, je suis assez d'accord avec Delphine. Malheureusement, effectivement, le changement de vie, le fait d'être confiné, etc. On va dire déjà chez un enfant qui n'a pas de maladie, il peut y avoir des répercussions, donc d'autant plus qu'un enfant qui a une maladie chronique. Je pense que on peut pas mettre ça sur le coup de l'enzymothérapie, surtout que si on se dit que c'est le comportement, c'est neurologique, l'enzymothérapie, ça marche pas au niveau neurologique, donc on voit pas vraiment c'est plutôt le changement de rythme et d'habitude, moi, je pense. Mais bon. Est-ce que du coup on profite? Alors merci beaucoup Anaïs. Hein. Je vais peut-être essayer de profiter le fait que tout le monde n'est pas encore parti. Ouais, nous quittez pas, on va laisser le docteur. On va libérer Anaïs Brassier. Merci beaucoup. À bientôt. Bon à bientôt. À tous. Merci. On voudrait aussi avoir peut-être un peu de vos retours, savoir s'il y a d'autres sujets comme ça de webconférences qui vous sembleraient utiles parce que sur l'actualité du moment, en tout cas c'est une préoccupation qui émerge de manière un peu importante ou pas d'ailleurs d'une manière un peu générale. Voilà, donc si vous pouvez nous faire aussi des propositions si vous en avez de webconférence. Ah, comment gérer l'hyperactivité de nos enfants? Oui, ça c'était quelque chose que j'ai déjà essayé que j'ai commencé à faire remonter pour savoir si on arrivait à trouver quelqu'un pour éventuellement animer ce type de questions, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup chez vous.
D'ailleurs, le docteur Brassier doit demander à une de ses collègues si elle peut intervenir. Donc, on revient rapidement là-dessus. Oui, elle a parlé d'un livret. Ce serait un livret principalement sur les gestes kinés pour faire un petit peu de kiné à domicile. De l'auto-kiné, mais alors plus, je sais que dans l'idée, c'était plus de passer peut-être par des mouvements liés avec des jeux ou voilà aussi pour pas l'impression d'être vraiment le kiné, mais la rééducation et le mouvement se faisaient de manière un peu ludique. Voilà, l'idée du livret, je crois qu'il est tourné autour de ça. Karine, oui, je réponds. Dès qu'on l'a, on le transmet, le livret. Oui. Karine, oui, on répondra à la maman d'Antoine sur ces questions. Il n'y a pas de souci. Peut-être reparler des différentes aides qui existent sur le plan financier et humain. Par rapport au Covid, enfin par rapport à la situation actuelle principalement ou en général. Non, en général, d'accord. Donc il faut qu'on voit à la rigueur, peut-être qu'on se passe un petit coup de fil pour préciser un petit peu votre besoin. Ça, voilà. Oui, non, mais c'est une bonne proposition. Emmanuel, on se rappellera si ça passe pas trop, on se rappellera, on fera un point sur vos questions. Gestion de la douleur, Marie-Antoinette, oui, on peut voir pareil, peut-être qu'on peut se on peut peut-être se passer un petit coup de fil pour aussi préciser un petit peu les choses, parce que c'est un sujet qui est vaste. Mais VML a déjà travaillé dessus avec le livret, avec on a un certain nombre de choses. Bruno, sur les douleurs aussi. Jessica, oui, bah le livret kiné, on va voir, on peut peut-être regarder aussi, il y a beaucoup de tutos, vidéos qui sortent actuellement et on peut peut-être trouver des choses autour de la kiné et qui peuvent être adaptées selon différents âges. Andrea, est-ce qu'on peut avoir deux arrêts de travail? Je ne sais pas, ça c'est à creuser. Je ne sais pas si Angela veut nous rejoindre et qu'elle a des réponses, qu'elle n'hésite pas. On reprendra. Allez-y, hein. Là, du coup, vous. Il y a beaucoup de choses. C'est bien. Oui, allez-y. On reprendra, on reviendra aussi vers vous en fonction. On a accès à toutes vos questions après, donc. François? Oui. Oui. Juste pour répondre à la question pour les deux arrêts maladie. Alors, normalement, c'est qu'un seul. Normalement, c'est un seul. Il y a un seul parent qui a le droit à l'arrêt maladie. D'accord. En cas d'hyperactivité, il n'a pas le droit de souffler. Non, un parent peut être en télétravail et un autre peut être en arrêt maladie. Enfin, il n'y a pas de lien. D'accord. Il suffit qu'il y ait un seul arrêt maladie. Alors, on peut le. Ah, ta caméra est un peu arrive. On peut le. Voilà, les parents. Enfin, ça peut être un parent pilote, mais bon, ce n'est pas forcément la réponse à la question qui est posée. Et... Oui, bah oui, oui. Arrêt plus, c'est déjà l'arrêt plus télétravail et oui, c'est certain que c'est pas. Alors, est-ce qu'il y a des enfants maladie lysosomale atteints du Covid avec les quelques médecins référents dans la préparation de cette webconf, comme l'a indiqué
Anaïs, là, en tout début, on a fait quand même une téléconférence entre plusieurs médecins pour savoir, référents, pour savoir un peu comment ça se passait chacun et comment les choses étaient faites. On n'a pas, enfin, de leur retour, ils n'ont pas eu connaissance d'enfants qui étaient atteints d'une maladie lysomale et qui ont été positifs au Covid. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout sur le territoire national, hein, mais en tout cas pas là la connaissance. Et puis, par contre, des aidants ou des parents qui l'étaient, oui, ça, il y en a eu, et pour lesquels les enfants, semble-t-il, sont passés à travers en tout cas. Les mesures à prendre après l'après-confinement. Je regarde en même temps, hein, je suis… Pour le moment, de toute façon, on est comme chacun, on les connaît pas, même si on commence à voir… on entend un petit peu certaines choses. A priori, ça va être long, ça va durer. Il y aura sûrement des précautions à prendre. On voit un petit peu ce qui se prépare dans les pays voisins. Mais dès que des informations sortiront, on communiquera dessus, bien sûr. Notamment par emailing ou par le site internet ou sur le groupe Facebook qu'on a dédié à ces questions-là. Angela parle de l'arrêt maladie pour garde d'enfants, mais il y a peut-être un autre vrai arrêt pour la maladie. Pour maladie, pour l'autre parent. Il y a des parents qui ont eu un arrêt. Effectivement, il y a l'arrêt pour garde d'enfant quand l'enfant a moins de 16 ans. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui est en arrêt pour garde et il y en a un autre qui est en arrêt maladie classique. A priori, c'est possible, mais après, légalement, en cas de contrôle, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un flou pour toutes ces questions. Alors, normalement, la semaine prochaine, il y a une autre conférence, comme ça à distance. Avec le directeur de la CPAM qui va expliquer un certain nombre de choses. Donc, peut-être qu'on en saura un peu plus par rapport aux arrêts maladie. Alors, il y a eu cette précision qu'on a partagée tout à l'heure où… C'est pas très clair parce qu'en fait, il mettait, faudrait retourner voir sur le site internet de VMA, c'est que pour protéger la personne vulnérable, la personne malade, l'aidant peut se mettre en arrêt. Mais du coup, c'est vrai que s'il y a deux parents, on peut imaginer que les deux pourraient en bénéficier puisqu'il n'est pas question qu'il y en ait un qui aille se balader pendant que l'autre… se balader, c'est un grand mot, mais c'est peut-être à creuser, voir auprès des services. On regarde ça, Andrea, peut-être. Emmanuel, on peut voir ça. Plus en privé, peut-être, si vous voulez. Mais c'est en effet, vous rentrez dans les… Ben là où il n'y a pas de case, donc il faut qu'on voit comment ça peut se faire. Marie-Antoinette qui avait une question pas mal de questions sur la douleur. Est-ce que vous avez entendu parler du cannabidiol? Traitement qui serait… Ça, je pense qu'il faut… Après, il faut voir avec les médecins. Non, là, j'avoue que… Ouais. Alors Magali qui a bricolé des masques, je pense que si vous avez aussi des trucs et astuces, ça peut être un bon moyen de faire partager ça aussi aux autres parents.
Alors, comment les faire? Comment les faire accepter? Parce que Bruno, à juste titre, nous disait qu'il aurait certainement du mal à en mettre un à Florian. Oui, et Magali a dit qu'elle avait adapté un masque en fabriquant des choses un peu plus agréables et que du coup, apparemment, ça avait l'air d'être mieux accepté. Donc, pourquoi pas, hein, les trucs et astuces, on peut les faire partager sur le site aussi avec beaucoup de plaisir, je pense. Oui. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer par mail des choses ou il y a le groupe Facebook Covid qu'on a créé qui permet de partager assez facilement des informations. Pour ceux qui n'ont pas forcément de compte Facebook, vous pouvez en créer un assez facilement et simplement vous connecter à VML et à ce groupe sans partager votre vie et garder votre vie privée. Mais voilà, vous aurez accès, il y a pas mal d'échanges, on passe des infos rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas ou appelez-nous s'il y a des questions autour de ça. Bah oui, Sandrine qui dit que c'est pareil, compliqué de mettre un masque. Bon, Voilà. François, on va reprendre un petit peu toutes les dernières Oui. propositions que vous nous avez faites. Donc on regardera ça s'il y a quelque chose pour terminer. Voilà, on voit que ça écrit, on laisse. Tu vois que ça écrit encore? Oui. Oui. Oui, voilà. Non, bah oui, c'est sûr que déjà à l'hôpital, c'est pas toujours simple de les mettre. Ouais. En tout cas, voilà, on espère que ça vous aura donné quelques informations, peut-être rassuré un petit peu aussi. Alors, on voit que ces questions de traitement, que ce soit dans les reports, dans la mise en place des HAD, dans la mise, c'est beaucoup du cas par cas en fonction de la situation locale, en fonction de la situation de l'enfant lui-même, et qu'il n'y a pas de généralité. Pour du cas par cas, toute l'équipe de VML reste à disposition. Vous pouvez nous contacter, hein, par email, par téléphone. On peut essayer de voir ensemble s'il y a des choses. Et oui, il y aura un replay le temps que François voilà, Oui. et fait un montage pour éviter qu'il y ait des coupures et des longueurs. Mais le replay, oui, il sera disponible, tu m'as dit François, au plus tard demain, tu nous as dit. Oui, au plus tard demain, oui, je vais vérifier puisque moi je me suis déconnecté à un moment, je vous ai perdu le temps de 5 minutes. Donc voilà, je vais vérifier qu'il n'y a pas de coupure ou que. Et puis on vous partage ça. Vous recevrez un email avec le lien directement. J'espère que ceux qui avaient des soucis de son ne l'auront pas sur la vidéo. Et puis voilà, Marie-Antoinette qui demandait combien. Nous étions, il y avait près de 70 inscrits, on était un peu plus de la moitié en direct, et puis un certain nombre qui attendent le retour, voilà. Donc merci, oui, prenez soin de vous tous. Et puis une fois de plus, n'hésitez pas, hein, on reste disponible. À bientôt, et puis on regarde les thématiques que vous aimeriez voir traitées. On regarde ça. Si peut-être on s'était posé la question, est-ce que certains seraient intéressés par la mise en place de enfin, non pas de conférences, mais
de visio pour se parler entre eux, pour de chat vidéo finalement. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être intéressés voilà, pour communiquer avec d'autres familles avec, vous pouvez nous informer si ça vous intéresse. Bon, voilà, il y en a. Bon, on va regarder un petit peu comment on peut vous proposer ça. Merci voilà. Bien à tout le monde et puis prenez vraiment soin de vous aussi et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir.